concentration, patience, imagination. Les esprits bouillonnent ici à la Halle aux Toiles où se déroule la 15e édition du Festival international d'échecs de Rouen. Attention, il ne faut pas faire de bruit. La concentration est intense pour ces véritables sportifs qui s'affrontent dans des parties pouvant aller jusqu'à 5 heures. Tous veulent le titre de maître international. Événement exceptionnel cette année, la présence du joueur franco-iranien Alireza Firouzja, numéro 6 mondial. C'est un peu le Mbappé du monde de l'échec et des joueurs normands ont pu l'affronter. Personnellement, j'ai rencontré un des meilleurs joueurs du monde qui se trouvait là par hasard à Rouen. Je fais une belle partie que je savais perdante dès l'origine, mais qui a traîné un peu en longueur. Je suis content des coups que j'ai joués, même si à la fin, les coups étaient perdants. Nouveauté cette année, un tournoi fermé 100% féminin qui se déroule juste derrière moi. Malheureusement, le monde de l'échec souffre encore de nombreuses discriminations de genre. Il y a de la mixité, bien sûr, dans les Open, les femmes peuvent rencontrer des hommes, mais elles ont très très rarement des tournois entre elles. C'est en France, on est aujourd'hui le seul à organiser un tournoi 100% féminin. Voilà donc une belle idée de sortie en famille pour les vacances. Même si vous ne vous y connaissez pas vraiment en échec, l'événement est ouvert à tous jusqu'au 30 décembre, l'occasion de s'ouvrir à une discipline où la force d'esprit est reine.